On peut commencer son typage. Donc, boum, Didier Raoult, je me souviens même plus c'était quoi la vidéo. On clique. Ça nous amène. D'accord, vidéo. D'avoir accepté d'être ici en direct. Vous savez combien je tiens au direct. Fête de la musique, rassemblement, manifestation. Vous avez vu ça, manifestation en plein air, sans distanciation sociale. Moins de masques portés, nous recommençons à nous embrasser, à organiser des barbecues, des fêtes de famille. Est-ce que ce relâchement est dangereux, professeur? Je ne sais pas s'il est dangereux. Et puis globalement, encore une fois, vous arriverez difficilement à me faire prédire quelque chose parce que ce n'est pas le fond de ma nature. Ah oui, j'avais oublié ça. Vous n'arriverez pas à me faire prédire, vous n'arriverez pas à me faire prédire. Il n'arrête pas de dire ça. Classique de chez classique de chez classique. Qui a besoin de préciser à chaque phrase que je ne suis pas là pour prédire, je ne suis pas là pour prédire, je ne suis... Qu'est-ce que tu racontes? On te demande juste, est-ce que tu penses que c'est bien ou pas? Genre, pourquoi est-ce que tu y penses en fait? Genre, à part si c'est parce que tu sais que c'est un de tes défauts, à part si tu sais que c'est justement, c'est ton point faible en fait. Vous n'arriverez pas à voir mon point faible. Je connais mon talon d'Achille et vous n'arriverez pas à me faire, à me faire découvrir, à me faire baisser la garde sur mon point faible. C'est juste ça que ça veut dire en fait. Et son point faible, ce sont ses fonctions dominantes en fait. Effectivement, les ING, ils prédisent tout le temps le futur, ils disent que ça va arriver, que ça va arriver, que ci va arriver, que ci va arriver. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Souvent c'est vrai parce que oui. C'est tellement vague en fait, c'est tellement en mode d'horoscope en fait. Tu vois, c'est lui, il va vous arriver des choses un peu particulières dans les prochaines, dans les prochains mois. Ouais, bah ok, peu importe ce qui va t'arriver, tu peux l'interpréter dans 8 choses particulières, tu vois. Dans toutes les interviews, il n'arrête pas de dire ça. Je n'ai jamais entendu un SE dire, oh, vous n'arriverez pas à me faire prédire machin. Parce qu'ils ne prédisent vraiment pas en fait. Peu importe qu'ils essayent ou pas, les gens en face, ils ne vont vraiment jamais prédire. Donc ils n'ont pas besoin de préciser que tu n'arriveras pas à le faire prédire. Tu vois ce que je veux dire? Et deuxième chose. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te protéger comme ça du monde extérieur? Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne sont pas tout le temps là à essayer de te piéger. C'est vraiment une manière très DE masculin, très TI en fait. Très TI féminin, DE masculin, de chercher à se protéger comme ça en disant genre, non, je sais ce que je veux faire et je fais ce que je veux faire. C'est pareil que pour les prédictions. Pourquoi est-ce que tu as besoin de préciser directement au bout de 40 secondes alors qu'il te pose juste une question, vraiment une question on ne peut plus basique? Les gens ne portent plus de masque et se rapprochent. Est-ce que tu penses que c'est grave? Bah oui, je pense que c'est grave parce que souvent il y a des. Enfin, c'est comme ça que le virus se propage. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est probable que ce ne soit, en tout cas, pas spécialement bénéfique pour la descente de nombre de coronavirus. Tu vois, une réponse normale. Vous n'arriverez pas à me faire prédire machin et je sais que tu essayes de me piéger, mais j'ai compris ton petit jeu. Tu vois, j'ai déjà anticipé ce que tu veux faire et tu vas pas m'avoir. Waouh. Ok. Any. DE masculin se sent facilement agressé, facilement l'impression qu'on essaye de piéger, essaye de comprendre qu'est-ce que fait l'autre, essaye de prédire ce que fait l'autre et dit qu'il ne veut pas prédire. La bouffée épidémique est passée derrière nous. Ce qui se passera à l'avenir, j'en sais rien du tout. Et que donc, il est naturel que la vie normale reprenne son cours. Donc, elle Non. se fait plus ou moins rapidement. Là, elle s'est fait progressivement. La vie doit reprendre son cours. On peut pas. Bien. Parce que je lisais votre livre, votre dernier livre, qui a été revu d'ailleurs, hein, et je vois à la page 107, l'épidémie est en train de se terminer. Est-ce que l'épidémie est en train Ah! de se terminer? Oups! Oups, il a fait une prédiction. Oups! Oh merde! Oh, c'est con ça! Prédiction finalement fausse, hein. Mais il semble pas qu'en France ce soit fini. Il me semble même que les gens ils commencent à mettre des masques dans la rue, etc. Donc, ah. Il a fini par prédire. Il s'est fait avoir son propre jeu. Comme par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Qui a besoin de dire tout le temps qu'il ne va pas prédire si c'est pas quelqu'un qui inconsciemment se met à prédire et à dire des choses par rapport au futur, c'est-à-dire un intuitif introverti. Et ce matin, j'avais un auditeur qui m'appelait, qui me disait, qui était à Los Angeles, qui me disait, dans l'Arizona, en Floride, il y a une recrudescence de l'épidémie alors qu'il fait une chaleur folle. Il fait 40 degrés à l'ombre. Oui, ça c'est une illusion assez européenne, si vous voulez, c'est de penser les maladies que nous avons décrites ou que nous avons découvertes à l'époque où beaucoup de sciences étaient inventées en Europe et qui étaient saisonnières l'hiver, on a fini par penser que c'était des maladies liées au froid. Oui. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a en Afrique, la grippe, il y en a toute l'année en Afrique, et c'est plutôt pendant la saison chaude qu'il y en a le plus. Donc, si vous voulez, Oui. le paramètre juste, simple, c'est... parce qu'il fait froid, qu'il y a le virus de la grippe, est une fantaisie, c'est pas vrai. C'est une fantaisie. Oui, c'est une Donc, observation oui. limitée par les Européens de la zone tempérée du nord, de l'hémisphère nord.
Ok. Et aussi pas mal de c'est pas vrai, ça n'a pas l'air d'être beaucoup de valeur. Hein. C'est beaucoup de vrai ou pas, est-ce que ça marche ou pas vraiment comme ça, est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire, c'est traité. C'est ce qui va intéresser les penseurs de voir est-ce que c'est vraiment vrai ou pas, les gens disent ça, mais vérifions, est-ce que. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est correct, etc. Bien, si retour de l'épidémie possible, vous dites, moi je ne fais pas de prévision. Je ne sais pas si l'épidémie va revenir, s'il y aura une deuxième vague ou pas de deuxième vague. D'ailleurs, tous les chercheurs, tous les médecins, tous les infectiologues disent à peu près la même chose. Hein. Vous l'avez remarqué, vous dites comme les autres. Les autres disent comme vous. Didier Raoult. Tu vois, en plus, lui, mode jeu, lui, je pense, on dirait un ETJ, TEOE, mais tu vois, il pose beaucoup de questions. Enfin, vous êtes d'accord, tout le monde le dit comme vous. Genre, tu vois, on voit qu'il veut le faire interagir un peu, il bouge pas, il le regarde, genre, vraiment, préservation d'énergie maximum. C'est vraiment beaucoup de pas de mode jeu, beaucoup de je ne réponds pas aux stimuli du monde extérieur, beaucoup de je ne réponds pas à on me pose des questions, beaucoup de je ne réponds pas à tu veux qu'on interagisse ensemble. Et quand je parle, je t'explique mon truc et je t'explique mes informations et je te fais une leçon sur ce que je sais, et machin, machin, et ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Et les gens disent ça et c'est une fantaisie que les gens disent, tu vois, les gens en bas là, qui racontent leurs bêtises, etc. Non. C'est très DI, c'est une manière très DI de voir les gens, c'est une fantaisie que les gens voient, machin. Bref. Beaucoup de mode de sommeil, beaucoup de DI, beaucoup. Enfin, waouh! Si retour de l'épidémie, faudra-t-il reconfiner? Je sais pas, vous savez, sur le confinement, J'allais y venir. je suis très réservé Oui. parce que le confinement est une mesure politique Oui. et que en tant que tel, les facteurs qui déterminent que l'on va confiner ou pas confiner ne sont pas que des facteurs scientifiques et médicaux. Donc il y a des éléments dans le confinement qui, écoutez, c'est meilleur pour la société plutôt que les gens soient affolés. Le lien de causalité. Pardon, petite précision aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Là, c'est pas spécialement lui. Enfin, là, il dit ça. Bon, comme il dit les autres trucs, là, on pourrait pas vraiment dire que c'est une de ses grandes peurs. Mais j'ai vu ça chez énormément de NITI précisément. Quelque chose qui revient énormément chez les NITI, c'est la peur de la panique, la peur des manifestations, etc. Les manifestations, la panique, etc. C'est FE et SE. C'est le chaos et les gens qui paniquent et les gens qui ne réfléchissent plus, les gens qui ont des émotions dans tous les sens, tu vois, c'est le chaos avec les émotions, tu vois, c'est FE, chaos avec les émotions, et c'est chaos parce que les gens, ils vont se mettre à courir partout, à crier, à, genre, tous les trucs que les INFJ, enfin, que les NIDOL, en tout cas, ne peuvent pas supporter. Oh mon Dieu, du bruit, des trucs, enfin, genre, juste des trucs dans le monde réel, en fait, juste du chaos dans le monde réel. Je crois que quasiment tous les NITI que j'ai ont tous, à un moment, dit, oh mon Dieu, les gens ils vont commencer à paniquer. Tu imagines, t'es président et t'es un INFJ. Tu as ton plan à toi, toi tu sais ce qu'il faut faire, t'en as marre des gens qui ont des. Non, toi tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais que c'est ça qui est vrai, tu sais que t'as raison, etc. Et tu as ton plan, il faut qu'on aille vers cette direction-là, etc. C'est quoi la pire des choses qui pourraient arriver? C'est une émeute, c'est une mutinerie, c'est des manifestations, tu vois. Et toi, tu as ton plan et les gens ne comprennent pas encore, mais non, il faut que vous me laissiez faire mon plan, il faut que vous me laissiez tout contrôler et que ce soit que moi qui dise qu'est-ce qu'on fait ou pas, tu vois. NI et TI, parce que vous verrez dans le futur, mon plan, il sera génial et vous verrez dans le futur que la vision fabuleuse que j'ai en tête d'intuitif introverti va finir par se réaliser, etc. Tu vois. Maintenant, ça paraît pas machin, mais ils se réfugient, leur fonction sauveuse, leur fonction dominante, c'est dans le futur et c'est leur plan, c'est leur truc, tu vois. Et il faut qu'on me laisse faire. Et quand un truc que ne tourne pas bien, c'est à chaque fois parce qu'on ne les a pas assez laissé faire, parce qu'on est venu interférer dans leur plan, tout le temps les mêmes histoires. Et du coup, effectivement, la pire des choses pour eux, c'est que les gens se mettent à s'énerver, à crier, à manifester dans la rue, au lieu de se poser et de comprendre qu'ils ont raison, que c'est vers là qu'on se dirige et qu'il faut attendre de voir dans le futur, ça va être génial, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est effectivement donc quelque chose que j'ai très, très, très souvent entendu chez les NITI, précisément, les NITI, peur de la panique et des manifestations. Allez, putain, mais il y a trop de jus de kiwi, c'est ça le problème de jus. C'est qu'il y a trop de kiwi, putain, il rentre pas. Je vais prendre une petite baguette. Attends. Merde, putain. Oh non, j'ai mis du bois. Quel con. Mais quelle erreur du jour français, putain! Bon, moi je vais devoir le débrancher. On sait jamais, ça peut servir. Je vois des copeaux de bois dans mon jus, putain. Regardez. Genre la baguette. Mais si je mouille le bois avec de l'eau brûlante, il va se dilater.
rien qui a changé, y a rien qui a changé. Putain, mon idée de génie ne fonctionne même pas. C'est bon aussi, là, ça m'a saoulé. Putain, mais ça ne rentre pas en fait. Incroyable, mais je peux plus rentrer ça dedans. Possible. Évidemment, il fallait que ça tombe sur mon pied, c'est logique. Mais j'ai pas encore fait une... Non mais attends, il est pas dedans en fait. Pourquoi il est pas dedans? Mais rentre la con de toi, mais je peux pas galérer sur un truc aussi facile. Alors on va rajouter un kiwi du coup parce que voilà, c'est vrai que... Non mais qu'est-ce qui se... Bon c'est bon, j'en ai ras le cul, non c'est bon, ça me saoule. Mais pourquoi? Pourquoi? Le problème c'est que c'est... Ah mais je sais ce qui manque depuis tout à l'heure. Mais je suis un fils de pute. J'ai oublié ça, putain. J'ai oublié la vis finale qui fait que ça... Putain, je suis un fils de pute. Est-ce que le chemin finalement n'est pas... Plus il est dur, plus c'est une expérience enrichissante quelque part. Le but c'est d'y arriver à la fin. J'ai expliqué plusieurs fois. Oui. Au début d'une épidémie, on ne sait jamais quelle forme elle va avoir. Mais oui. Attendez, ne, c'est pas grave.